Et salutations CP, et on se trouve pour le 16e épisode de MCPERE. 16. Alors, le spawn est toujours un peu mauvais. Je vous assure, c'est pas moi qui ai essayé de monter sur le toit, c'est juste que je reviens de jouer. Et ça fait deux fois d'affilée que je spawn sur le toit. Alors que j'ai bien vérifié justement parce que je spawn, je réapparais pas du tout l'endroit que j'ai quitté, à l'endroit que j'ai quitté. Et surtout à des endroits où je vais pas. D'habitude, parce que je m'amuse pas à monter sur le toit en permanence, surtout qu'on peut pas. Enfin, il faut mettre des blocs. Et j'ai bien regardé, j'étais sur le pont quand j'ai quitté. J'ai bien vérifié que je suis sur le pont. Mais bon, ça va, avant j'étais là-dessus. Je spawnais là-haut. C'est que j'habitais de l'autre côté du mur en pierre, du coup j'étais obligé de sauter. Bon, ça va, j'arrive à sauter dans l'eau. Alors, ce coup-ci, nous allons aller dans le Nether. Hein? Et pour. Pour l'arc et tout ça et tout ça et tout ça, je demande. Ben, j'ai publié l'épisode 15, oui. Au moment où je tourne celle-là. Mais bon, déjà vous n'avez pas répondu et les seules personnes étaient très d'accord. Ben, moi ça, il n'y a pas que pour ça. De toute façon que je le fais, donc je sais pas. Mais les autres ils disent que ils font bien pire, donc ça n'a pas l'air de vous déranger pour ceux qui ont répondu. En foutais complètement. Je pourrais même me give une armure en diamant, vous en foutrez, hein, j'ai l'impression pour certains. Hein. Mais bon, moi j'aime pas. Moi j'aime pas du tout. Voilà, et on va faire un dernier truc parce que. Ah oui. Maintenant j'ai un peu de fer. Je l'ai fait fondre. Depuis le temps. Mais bon, vu qu'il y a de la lave à côté maintenant dans le Nether. Enfin, c'est à côté plutôt. C'est le Nether qu'à côté. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Justement, je tourne la vidéo parce que j'ai tellement. J'ai beaucoup travaillé dans le Nether. J'étais tellement content que j'ai beaucoup travaillé dedans. Et aussi, il y a quelques petits bugs. Hein. Je veux pas dire, mais. Ici, j'ai creusé. Un tunnel jusqu'à tomber là-bas en face. Et je veux pas dire, mais il s'est rebouché. Comme là, il y a une partie du mur que j'ai fait. Il n'y était pas avant. Là-bas, il y a une partie qui est partie. Il y a un morceau qui est parti. Et c'est pas les ghasts, hein. Les ghasts, ça fait un trou de 4, de 2 sur 2 environ, mais pas. Ça dégomme pas le plafond. Bon, là, je veux dire qu'il y a toute cette partie que j'avais bien rebouchée ici. Ouais, c'est parti. Là aussi, un peu. Alors, vous pouvez voir, j'ai fait le mur, mais c'est pas le plus important. Bon, ici, il faudrait que j'arrive finisse de déblayer. Oui, et pour les armes, c'est ça? Oui, bah, du coup, je les utilise. C'est pratique, un arc Infinity. Surtout quand tu trouves plus de spawner. Repoussoir, c'est un peu embêtant quand tu le gastes. Aller dessus, ils font mal les petits, les tout petits ils font mal, surtout qu'ils font mal même après qu'ils crevent. Pourtant, il me semble que les gros sur la version normale, elle fait pas mal. Enfin, les petits font pas mal sur la version normale. Les petits, non, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ici ils font mal. Alors, et nous allons. Ça va être marqué dans le. Je suppose, en titre. Nous allons dans le Nether. Et nous allons voir la petite forteresse. Qui, franchement. Si je puis dire, elle n'est vraiment pas loin. Mais. J'ai mis un peu de temps à la trouver quand même. Je l'ai entreaperçue en visitant. Et après, j'y suis allé, puis je me suis rendu compte qu'on pouvait y aller par un endroit plus simple. Mais j'ai pas voulu, j'ai protégé jusqu'à l'entrée de la forteresse, hein, mais je suis pas rentré dedans. J'ai fait exprès de pas rentrer dedans. C'est justement pour ça que je veux tourner une vidéo maintenant, vu que j'ai envie de rentrer dedans, hein.
Oh, j'en ai tué pas mal des pigmen. Alors, c'était... Pourquoi ça fait que cramer ici? Forcément que ça prend pas feu, ça. Enfin, je sais pas, ça a encore jamais pris feu. Après, s'il faut, ça prend feu. Et du coup, la forteresse, elle est là. Mais bon, comme je suis rendu compte qu'elle allait au-dessus, bah, j'ai décidé de monter. Hein. Les ghasts, ça spawn. Les ghasts, ça, pas les ghasts, les blazes, ça spawn que dans les forteresses. Mais ça n'a pas besoin de spawner. Enfin, j'en ai vu spawner que dans les forteresses. Comme les squelettes. Du coup, c'est pratique au moins. Mais en fait, s'il faut, c'est juste que ça spawnait bien, mais que c'est considéré comme une forteresse là où il y a mon village sur l'autre map. Ici, ça spawn. J'ai tout bien gros bouché, tout et tout. Hein. J'ai tout bien mis. J'ai pu looter quelques blazes. Mais. Il y avait des bâtons, ouais, mais je les ai pas pris. Comme ça. Il était là, même c'était là où il y a l'XP le bâton. Enfin, si, il serait un peu dur à prendre. Bon, j'ai mis quand même une dizaine de minutes à faire tout le chemin. Hein. 10, 15, 20 minutes. Mais bon, ça fait pas des résumés d'épisodes sinon. Voilà. Voilà, je peux pas aller plus loin. Après, à partir de là, c'est terre inconnue. C'est terre inconnue et Ghast qui crie. Problème, c'est qu'ils se font pas one shot. Bon bah, on va continuer à visiter, hein, on s'en fout des... on s'en fout pas tant que ça. Ça vient qu'il meurt. Voilà. On va pas aller par là en fait. Il y en a beaucoup. Et je suis concentré. Faut se presser des fois, hein, parce que sinon, ben tu meurs. Bon ben, je vous dis à tout de suite. Hein. Regardez le cadeau! C'est de l'ironie, hein, c'est pas un cadeau ça d'avoir ça en face de soi. Mais bon, comme il tire pas, hein, on va dire que si. Je vais dire pourquoi il tire pas. C'est pas par là que je dois aller.
Ça serait utile une popo de feu. Vous savez quoi? Je vais sécuriser la zone. Aussi, j'ai eu quelques items. Et maintenant, ils droppent leur épée, c'est bien ça. Les cochons zombies. Pas tout le temps, rarement, mais ils la droppent. Oh, il y en a beaucoup. Ouais, voilà, ça m'a pris du temps et heureusement que maintenant les mobs dépopent un peu bien quand tu t'en éloignes parce que comme ils popent par 6 ou 7, à un moment c'était une vague. Et le problème c'est que j'ai fait deux allers-retours, enfin un aller-retour, parce qu'après je suis revenu là-bas parce que j'avais tous les items, mais l'item qui manquait bien sûr c'était la pioche. J'ai failli mourir par des dégâts de lave quand même. Hein. Ça aurait été un peu con. Ouais, sinon les ghasts c'est tranquille. Ah, c'est des escaliers. Il y a des fois au pied des escaliers? Non, il y en a pas. Oh, mais ici il doit y avoir des coffres à mon avis. Des coffres? Y a pas de coffre. Oh brave, hein, il y en aura trop pas. J'aime bien ces balcons qui ont l'air sous terre. Bah c'est des balcons mais sous terre, je suis pas sûr que ça s'appelle des balcons du coup. Ça serait bien les coffres. Des coffres. Y a pas de coffre. Ah, un coffre. Oh, une selle. Ah, et moi qui ai pêché, je sais pas combien de temps jusqu'à faire crasher le jeu et qu'un coffre disparaît. Oh. Fallait juste aller dans le Nether. Je vais me paumer. Bon, moi j'ai des verrues. Et voilà un bâton, un bâton, un bâton. Bon ben. Sur ceci, on va se dire à la prochaine et on continuera à visiter dans le prochain épisode. Et ouais, on va faire un épisode 17 très tôt. Enfin, pour moi, il va passer très vite. Voilà. Hein, on met ici ce qu'on veut pas perdre. Et sur ceci, je vous dis à la prochaine. Je tourne direct après le niveau 17. C'est du big.